Je suis fatiguée, je sais pas dans quel sens ça se met une toque. Et toque. Waouh. Pourquoi la chaîne elle est grande et moi elle est petite? Ça veut dire que je suis nulle. Commis et chef. T'es sûr que c'est ça? Ouais, pour le coup vraiment. Elle est super grande. Regarde. Alors ça c'est la laitière. Mais là jusqu'au bout c'est la laitière vraiment. Des bons yaourts de chez vous? Avec la laitière c'est possible. Hello l'ami, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça va être n'importe quoi. Et personnellement j'adore quand c'est n'importe quoi. Et encore plus quand c'est du n'importe quoi avec Thomas, que vous commencez à beaucoup connaître, donc bienvenue sur ta nouvelle vidéo. Sur ma nouvelle chaîne, j'ai cru que t'allais dire, bah super, écoute. Oui, juste non, pas de n'importe quoi. Dans cette nouvelle vidéo, bah, Thomas, de l'application, du sérieux. Ah non, c'est de l'art la cuisine, c'est de... pardon. Hein, c'est... Pourquoi il parle de cuisine? Pourquoi on est habillé comme ça? Ouais. Car aujourd'hui, on s'apprête à cuisiner une entrée, un plat et un dessert, mais tout ça dans le noir. Waouh, on est tout noir. Ok, je vous explique. Là, on va avoir une heure, tous les deux, pour cuisiner chacun une entrée qui sera un avocado toast, un plat qui sera une salade, tout court. Et ensuite, en dessert, on devra faire une mousse au chocolat, sachant qu'on n'a aucune recette. On va faire à l'aide de nos connaissances. Personnellement, j'ai jamais cuisiné de mousse au chocolat. Faut des blancs en neige. Mais ouais, mais comment on fait les blancs en neige? On va battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà, on a beaucoup d'instruments. Évidemment, on va faire attention à pas se couper parce qu'on va utiliser, par exemple, des couteaux. T'es là ou? Mais frérot, je t'écoute. Tu fais une intro, on dirait que tu racontes un livre. On aura une heure pour faire tout ça. Thomas, je te laisse lancer le chrono et on pourra commencer. Top, c'est parti. Ah, t'es là. Attends, l'entrée, c'est l'avocat de toast, t'as dit? Ouais. Ok. Mais pousse-toi, t'es dans mon étage. Ah, mais non, c'est moi qui suis de ton côté. Et je vais m'appliquer, frère, je vais te laminer. Tu vas rien faire du tout. En revanche, je te conseille de tout sentir, frère, parce que tu peux vraiment te tromper sur des dingueries. Hein. Ok, alors attends, concentre-toi, Thomas, le cerveau. Philadelphia, avocat, citron. Ça, petite base, clac, ok. Super dur. Clac, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Oignon rouge. C'est super c'est dur. Hein. Horrible, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai plus de mémoire quand j'ai plus de lumière. En fait, je sais même pas à quel étage je suis, je sais pas où je suis. Je comprends pas comment t'arrives à faire aussi vite. Ok, il me faut du sel. J'ai volé le merde, on a mis. Oh putain, je sais plus où on l'a mis le sel et tout. On a mis où déjà le sel? Je sais pas, je le trouve plus. Ah non, attends. Non, mais tant pis. Ah non, bah non. Attends, non, je vais passer une demi-heure dessus, moi. J'en ai rien à foutre, hein, on va le trouver. Hein. Ah tiens, j'ai un truc là. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, parce que moi j'avais mes épices. Oh, oh. Attends, c'est quoi? Oh, c'est bon, et fin du game. Si c'est l'ail, tu me l'as volé, c'est moi qui l'ai ramené. Allez hop, je t'ai niqué. C'est l'ail? Non, t'as pas pris, tu l'as volé. Mais si, mais c'est moi qui l'ai ramené. Bah on le prend tous les deux. Bah non, mais tu me voles mon ingrédient secret là. T'es dégueulasse. Ok, vas-y, mais t'as pas le droit d'utiliser mon oignon rouge. Ok, ça marche. Ok. Putain, c'était pas mal l'ail. Je savais pas qu'il y en avait. Oups. À tous les coups, t'as ramené du sésame, sans le dire. Je vais me blesser. Non. Ah putain, pourtant. Viens, on finit pas à l'hôpital ce soir. Non, en plus, il y a France-Maroc. J'ai pas le temps là pour l'hôpital. Allez les bleus, allez ramener la coupe à la maison. Allez le bleu, allez. Pardon. Comment t'as visé aussi bien? T'es en train de chanter quoi? Je me suis dit le son il vient de cet endroit là. On n'a pas de cuir hein? Non. Bah non, c'est vrai que pour sortir un avocat, on n'a pas besoin de ça du tout. Débrouille-toi Thomas Goldberg. Eh ben j'ai bien compris. Bon, en revanche, il y a un truc que je déteste et que tous les gens qui cuisinent un peu détestent, c'est avoir le plan de travail dégueulasse et on peut pas le nettoyer là du coup. Putain, mais on a rien pour se rincer les mains et tout. Non. Ça va être horrible ce qu'on fait. Le tablier. Ça va être tellement bon ce que je vais faire. Waouh. Ne gâche pas avocat. Je m'en étale sur la main, c'est dégueulasse. Ah bah ouais, en revanche là. Putain mais en revanche, toutes les 5 secondes je pose ma fourchette et je la retrouve à un endroit différent. Le poivre c'est dans quel... Ah mais il y a un chapeau ça va quoi. Être dur de pas trop en mettre. Je comprends pas. Oh là là, je viens de mettre de l'huile d'olive, je me rends pas du tout compte, ça se trouve j'ai mis la moitié du bol. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un chapeau quoi. Mais il y a un chapeau sur le... Ah sur le poivre, oui, s'il est neuf, oui. Ah oh, putain, faut que tu l'ouvres. Ah merde. Ok, ça va être relou, ça va me faire gagner du temps. Ok, du coup c'est dans ce sens-là, le bol il est là, ok. Ah mais y a rien. Je suis en train de... Ah, mais je comprends pas. Ouh purée, oui, ouh là, oui, y'en a beaucoup. Putain. Franchement, je sais... Arrête. C'était du poivre. C'est horrible. Ah putain, en plus je kiffe le poivre de base. Non, c'est du curry. C'est du curry? J'ai volé du curry, ouais. Mais ça c'est pas du curry que tu m'as mis dans le nez là. Ah bon? Ah non. Ah merde. Ah non, c'est du poivre. Ah, ça veut dire que j'ai fait tomber le poivre dans mon truc? Bah, il y a des deux, je crois. Ça sent le curry, mais je pense que c'était du poivre. Ah merde, j'ai peut-être confondu les deux? Non, tu me mets le doute. Ah, mais il y a du curry partout. Ou du poivre, je sais plus ce que c'est du coup. Et comment on fait marcher le sel par contre? Tu me l'as piégé, t'as mis de la glu, on peut pas l'ouvrir. Tu me dégoûtes avec tes bruits de bouche, purée Thomas. Arrête,
ça, Berk. Ok. Comment on ouvre le... Tu peux m'aider à essayer d'ouvrir le sel, s'il te plaît? Non, pas du tout. Bah, t'es un connard. Bah, tu me files de l'ail ou pas pour ça? Tu me donnes de l'ail en poudre, je te l'ouvre instant. Non, merci. C'est vraiment la pire. Ah, putain, j'ai mis le doigt dans le fromage. Ah, oh, je touche avec tous mes doigts et tout, Berk. Un petit peu pour le toast, un petit peu pour Alaya. Putain, on peut pas nettoyer le plan de travail entre chaque épreuve? Toi-même. Ça, si, on peut, quoi, mais dans le noir, du coup. Voilà. Ça, c'est fait. On est sur une petite entrée. Ah, c'est drôle, on a fini pratiquement en même temps. Hop là, ça, c'est servi. Avocat d'autos pour la 8. Putain, il y en a partout. J'ai envie de nettoyer quelque part, il n'y a pas une poubelle? Bah si, juste, tu vois, entre ton nez et ton menton. Qu'est-ce que t'es chiante. Ça, c'est censé servir à quoi, ça? Mais de quoi? Je vois rien de ce que tu mets. Ah, pour la salade. Ça, voilà, on va nettoyer. Je crois que j'ai fait un truc stylé, mais en fait, je sais pas parce que j'y vois pas. Voilà, c'est fini. Maintenant, on peut faire une pause pour manger les restes d'avocat. Tu fais des pauses et tout, toi, mais tu te rends pas compte de l'enjeu, là. Bon, globalement, ça va, il y aura un gagnant, un perdant. Personnellement, je me suis habituée à la défaite, donc ça me dérange pas tant que ah ça. Ah oui, non, ça, je comprends. Mais je gagne quoi, moi, du coup? Bah, rien, t'es content, c'est pour ça. Hein? Bah, t'es hyper content d'être venu sur ma chaîne, d'avoir passé l'après-midi à cuisiner, non? Ouais, je le sais. Ok, maintenant, on peut attaquer la salade. Oh, oh. C'est ce que j'aurais dû faire, garder un petit bout d'avocat pour le mettre dans la salade. Petit bout d'avocat pour le mettre dans la salade. Bah ouais, ça aurait été super bon, salade tomate-avocat. Pas du tout, pire idée. Mais quoi? Je rigole! T'as aucun goût, Thomas. Non, j'étais en train de réfléchir à si moi j'avais encore un peu d'avocat pour le faire. Pourquoi on dirait deux concombres? Alors, y a un truc qui est pas un concombre. Vraiment sans, utilise ton nez un peu. Mais les deux, ils sentent la même chose, hein. Moi, je peux plus rien faire pour toi, alors. Ah, purée, c'est une banane! C'est quand même pas le même ustensile, quoi. Alors, ça... C'est un couteau plein de Philadelphia. Oh putain. Eh, j'ai des idées, frérot, tu m'en donneras des nouvelles. Mais je comprends pas, ça rappe pas. Elle avait le visage de Nathalie Portman, elle m'a dit moi non plus, je ne veux pas de vie de couple, cette tenue, je veux me couper de... Ok. De ce monde qui dégoûte, bébé, viens dans mon Italie, on est dans les portables, j'en connais un rayon, je raconte pas de disquette, elle a mordu l'oreiller, comme si c'était un cheesecake, mais c'est toujours la même. Waouh. T'as vu ce que je viens de faire ou pas? Ça rappe pas! Mais non, Thomas, j'ai pas vu, on est dans le noir! Comment tu veux que je non, vois? Non, mais vu, senti, je voulais dire. Est-ce que je t'ai aspergé avec mon orange que je viens d'éclater? Tu mets une orange dans une salade? J'ai une idée. Ça rappe pas. Tu veux que je te dise ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une sauce aux agrumes pour la salade, mademoiselle. Ah, c'est très bien pensé, ça. Ah, ça y est, ça coupe! J'en ai reçu dessus. Cette phrase. Non. Mais ben. Il est où le putain de poivre? Tiens, tu l'avais tout à l'heure, toi. Bah, fais pas tout tomber par contre. C'est ça? Attention! C'est exactement ça, putain. Mais t'as cru que j'allais copier un truc sur ton plat horrible? Mais pas du tout, en fait, j'ai cru que t'allais. Putain, je mets les doigts dans tout sauf dans ce qu'il faut. Alaya, bip! Bon, je crois que j'ai une vinaigrette, ou en tout cas un truc qui ressemble. C'est bien, Thomas. Merci. Depuis tout à l'heure, quand tu disais que t'arrivais pas à râper. Ouais. C'est peut-être parce qu'il était dans le mauvais sens, ton économe, non? Aussi simplement que ça. Ça s'appelle un économe? Non, bon, écoute, il économe vraiment pas en fait. Bah, t'as vu? Il économise rien du tout, le même si on est dans le bon sens, c'est compliqué. Oh, il y a du jus dans la feta. Mais moi, je croyais que c'était tout petit, que c'était coupé en carré, donc j'allais tout renverser dans le... Ah là, c'est un bloc de feta à couper? Ouais. Je sais pas, hein, du coup, là, je suis en train de... En fait, je crois que je suis en train de l'aiguiser, le concombre. J'arrive pas à savoir. Ah, mais si, il y a de l'épluchure. Ah, mais ça marche, en fait. Je crois que depuis tout à l'heure, je suis en train d'éplucher du vide, mais ça va, mais en fait. Mais je pense que tu devrais essayer d'encore éplucher, ça a pas l'air très... Mais non, mais je t'ai dit, je suis déjà en train de le tailler, là, ça devient un crayon, le truc. Ok, là, ça me paraît pas trop mal. Impossible de me couper en faisant ça, gros. Et c'est sûr qu'ils sont parfaits, mais elles sont parfaites, mes tranches. Putain, mais le panais, je sais même pas comment ça se mange, en fait, le truc. Pour moi, ça se mange cuit. Je comprends pas. Y'a rien de piquant, pourquoi ça pique? Je suis en train d'essayer de lire. C'est pas normal, ça, frérot, que ça pique, hein. Ok. J'arrête pas d'essayer de regarder, genre je lève les yeux avec mon objet pour regarder. Mais moi aussi, je le mets devant moi en mode Imi. Tu m'as volé mon ail. Pas du tout. J'aurais pu complètement. Il est là. Mais c'est dégueulasse le panais en fait. Ah, t'as goûté? Ah oui. Elle est où la feta? Il y a un bloc là. Ou il y en a deux? Non, il y en a deux, il y en a un de ton côté aussi. Ah non, frérot. Bah si, elles sont toutes à droite. Moi, elles étaient toutes à gauche, donc toi, elles doivent être toutes à droite. Ah, je te jure que j'ai touché tout l'étage et qu'il n'y a pas de feta. Mais cherche mieux. Hé, c'est ma feta. Ouais, bah trouve la mienne, essaie de la trouver, tu vas voir. Ok, tiens. Non. Tu vois, c'est ça ton problème. En tout cas, j'ai un peu le seum parce que, en vrai, moi, dans ma tête, ça va pas être trop moche là ce que je suis en train de faire. Putain, c'est hyper chaleux. Elle a trop salé. Il y a un mélange sucré-salé, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de ça? Comment c'est possible que ça soit sucré? Mais c'est grave bon, mais je comprends pas pourquoi c'est salé et aussi sucré. Je vais full tryhard le dressage. Si ça a un résultat horrible, au moment où je le rends, je suis dégoûtée. Je suis morte, on va se découvrir un talent de fou. T'inquiète, moi je le connais déjà. Ça fait hyper flipper de rien voir par contre. Genre, moi je suis en train de faire un truc pareil, ça va être trop moche. Putain, j'en avoir une idée.
Tu me voles pas mes idées. Ah bah non, impossible. C'est quoi ton idée? Je te dis pas. Allez. J'attends que t'aies fini la salade pour te dire. Mais moi je l'ai fini, je suis sur du dressage là. Ouais mais justement, j'attends que t'aies fini. C'est une idée de dressage. Oh là là, je peux tout renverser là sur ça, ça serait horrible. J'ai fait un effet de style avec la fourchette, je sais pas si ça a marché. Ça, terminé. C'est drôle, on avance en même temps. Oh non, pas terminé. Je me disais bien qu'il manquait des... Oh putain. Finalement j'ai de l'avance. Non mais en fait, je peux pas voir les trucs, j'oublie les idées que j'ai. Oh purée sa mère, t'as mis toutes les tomates ou tu les as goûtées une par une avant de les mettre? J'en ai pas mis. J'ai mis des tomates dans ma salade et il y avait des raisins cachés. C'est pour ça que c'était sucré quand je l'ai mis à la bouche. Oh j'ai le seum. Ah les bâtards, ils ont caché des raisins dans les tomates. Ça peut être pas mal hein. Tu vois, c'est peut-être un signe de la vie. Ça va être formidable. Et je vais peut-être gagner grâce à ces raisins, tu vois. Bah du coup, on va passer au dessert. Du coup, pour le dessert, en gros, le chocolat, on va devoir le faire fondre au micro-ondes. Du coup, on a gaffé toute la vitre du micro-ondes et aussi le truc des minutes et tout. Donc, en fait, on sait pas combien de temps on met. Pour qu'on la voit pas s'allumer. Ok, là, j'ai du chocolat, ce qui s'apparente à du beurre, des œufs et du sucre. Et en revanche, j'ai un souci. Quoi? Comment on différencie des sachets de sucre vanillé des alors, sachets ça, de levure? Alors ça, j'en ai aucune idée, ça va être la difficulté, je pense. Imagine, tu mets trop de levure alors que bah, tu vas mettre du sucre. Imagine, tu mets deux fois du sucre vanillé juste. Qu'est-ce que tu manges? De l'avocat qui reste dans mon avocat. Mais ça va être hyper galère, comment on voit les jaunes et les blancs? Je sais pas. Est-ce que c'est du blanc dedans? Mais y a aucun moyen de savoir. Oh putain si! On le sent tomber le jaune. Ah ouais? J'espère que j'ai pas perdu trop de blanc. Non mais... Je sais pas si on voit en fait, parce que c'est pas du tout impressionnant ce que je montre. Ah ouais, le jaune tu le sens. Ah oui mais c'est pas bon signe alors. Bah si quoi, faut le garder dans ton œuf. Bon, j'en ai marre. C'est dégueulasse, j'en peux up. Attends, tu les bats direct! Comme ça, c'est fait. Ok, ok. Mais comment on sait quand ils sont battus? Quand tu peux retourner ton plat et que ça tombe pas. Ah ouais? Ouais, c'est pas une blague. Deux touches, deux touches! C'est pour vous, la communauté! Allez, Alaya! Allez, Alaya! Allez, c'est dans la tête! Allez, c'est dans la tête! Allez, c'est dans la tête! Je pense que c'est un des trucs les plus durs de la cuisine, genre. Dédicace à tous les gens qui ont dit que je savais pas cuisiner. Ces blancs en œufs, ils sont pour vous. D'ailleurs les gars, c'est le bon moment pour nous de vous demander, si c'est pas déjà le cas, de vous abonner à cette chaîne YouTube s'il vous plaît. Parce qu'en vrai on donne vraiment tout pour vous divertir, pour vous faire plaisir, pour vous faire rire. Ah bah là on donne des biceps là déjà. Donc si c'est pas encore fait s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir que vous vous abonniez, voilà. Merci. Ah. Oh ça marche. Oh mec c'est hyper mousseux. Moi j'arrive pas à savoir. Allez Thomas, on peut le faire. Pardon. Ça m'aide de crier. Allez, c'est quoi, moi je vais te dire que c'est bon. Ok, eggs done. J'ai aucune idée de la suite. Faut faire fondre le chocolat à un moment donné, non? Débrouille-toi. Ça a l'air d'être neigeux. Ah oh ah, oh, mamma mia. C'est neigeux. T'as réussi? Oui. Nice, moi non, je pense. Et donc moi, je dis qu'on va mettre ça de beurre. Parce qu'on aime être généreux. Je sais pas trop être généreuse, justement, parce que c'est quelque chose d'un petit peu healthy, tu vois ce que je veux. La mousse au chocolat? Ouais. Ouais, c'est hyper healthy. De toute façon, bah, y a deux trucs pour maigrir, c'est la mousse au chocolat et le quinoa. C'est le poulet et le riz et la mousse au chocolat. Attends. Non, il vient de se passer un truc de ouf. Dites-moi qu'on l'a vu sur les caméras, sur ma vie. Quoi? Ok, je suis là, je suis en train de couper du chocolat. J'ai fait clac, il a volé directement dans mon truc. Ah ouais? Ah non, j'espère que ça se verra. Juste, c'est du plastique, hein. Non, c'est pas du plastique, ça. C'est pas ma vidéo, c'est pas ma maison. J'ai mis le chocolat en je entier. Je vois tellement de trucs, ça a l'air dégueulasse, ta table. Mais ta gueule. Waouh, alors vraiment pas obligé de me parler comme ça. Il y a l'air d'avoir deux tailles de sachets. Il y a du sucre vanillé, et c'est quoi l'autre truc? C'est pas de la levure? Bah, il y a pas besoin dans la mousse au chocolat, normalement, si. Hop là, je triche un peu. Ok. Ça veut dire que t'as regardé dedans? Non mais frérot, va falloir le mettre 6 oh, wow. minutes hein. Hop, clac, banadraia capruccina paraccini. Banane ouais. Non. Mais non, c'est bon aussi tu fais pareil, non arrête. Non, je fais pas pareil, arrête de tricher sur mon ingrédient secret. Elle est où ta banane? Oh merde, ça a coulé sur mes chaussures. Va là-bas, allez. Il coule ton ingrédient secret? C'est dégueulasse. Je m'engage à dire que ma mousse au chocolat sera la plus mauvaise mousse au chocolat de l'histoire. C'est la fin de l'heure? Ouais. Bon, on te laisse 10 minutes de plus, non? Non, 5 minutes max. Enfin, le temps de ta cuisson, toi, au calme, mais vas-y, sinon... Oh, franchement, je vais être très déçue de moi si mon chocolat fondu, il est pas hyper bon. Ça serait un scandale de... Je suis dégoûté. J'étais trop bien, là, jusqu'à ce qu'il faille faire un dessert. Qui mange des desserts? À quoi ça sert? Le sucré, c'est nul. Je sais pas ce que je suis en train de faire. D'habitude, une mousse, t'es censé la faire réchauffer ou pas avant? J'en sais rien du tout. Eh ben, moi, je vais faire un gâteau. Normalement, t'es pas censé la mettre au frais, la mousse? Si, je crois. Du coup, j'essaie de la mettre au chaud pour contrebalancer. Ok, ça a l'air pas trop mal. Il est bon au moins. Oh, miam! Alors là, je suis trop fière de mon chocolat. Pourquoi ça a explosé? Dans le four? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Fini! Eh ben, je finis juste de mélanger, c'est bon.
Ah, fini. Oui. 5, 4, 3, 2, 1, enlève les mains. Ah, ok, ok, vas-y, vas-y. Ok. Va. Les amis, les amis, les amis, c'est un retour. Oh, waouh. Oh, l'état des plombs. Là, on découvre en temps réel. Mais comment? Il y a des papiers dans un mousse au chocolat. Oh, je me suis trompé de truc. Les gars, il s'est trompé de bol entre le bol où il jetait tout et le bol de la mousse au chocolat. Non, mais elle est super, elle est super. Non, tu laisses, t'as pas le droit. Ah putain. C'est la fin, c'est la fin. Les amis, on va donc accueillir maintenant 3 personnes de Maison Grise qui vont venir goûter nos plats et tout simplement avoir une critique déjà visuelle, mais aussi sur le goût pour savoir bah, qui de nous a le mieux réussi. Ça a l'air catastrophique. Je vous propose qu'on les accueille tout de suite. Ouais, on accueille Valentin, Lucas et bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Alors les gars, on va vous mettre bien. Attendez, on va vous faire un joli truc. Donc, en gros, pour vous expliquer, on avait en entrée avocado toast. Sachant qu'on n'avait pas du tout de recette ni rien, fallait qu'on se débrouille. Ensuite, on avait une salade à faire. Et ensuite, de la mousse au chocolat. Mais les ingrédients, ils n'étaient pas imposés. C'est une salade. On faisait ce qu'on voulait. Voilà, donc au niveau du visuel, vous donnez quelle note à chaque plat? Il est vraiment moi, j'en ai stylé, un 8 celui-là. Sur 10 à cette entrée. Quoi? Et attends, faut qu'on note. Allez-y, c'est bon, soyez cru. 8 et 6 visuel du coup. Franchement, je vais dire 8 ici et genre en 5 là. Hein. Waouh, ok. Oh, il est dur. Ouais. Bah, en vrai, moi, c'est à peu près les mêmes notes que Juliette. Je pense que c'est vraiment 8 et 6 en fait. Et bah, c'est parfait. Yeah. Allez, on est trop ensemble. Ouais. Il va falloir goûter les copains, il va falloir y aller sur ce truc. Donc on goûte celui-là, ah, bah, évidemment, vous goûtez les deux. Là. Allez, je prends la partie avec le plus d'oignons. Il y a de la constance, ouais. Il y a du... Alors moi j'attends parce qu'ils aiment pas les oignons, là ça va être terrible. Aïe 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 aïe. Vous m'attendez à pire niveau oignon? Mec, j'ai eu un petit bout d'oignon, ça m'a dégoûté. Et celle-là, elle est bonne aussi. Merci. Mais un peu moins relevé forcément parce qu'il n'y a pas d'oignon. Ouais. C'est tellement meilleur celui-là sans oignon. Par contre, personne n'a touché le bout de raisin. Non, vraiment. Ça fait partie du plat, faut prendre tout. Puisque... Je goûte avec le bout de raisin. Voilà, merci, c'est super bon. Bizarrement, que le raisin, ça passe bon. Mais non. Tu préfères avoir un avocat de toast avec que du raisin à la place de que de l'oignon? Évidemment. Waouh. Après, de préférence, je préfère avoir ni l'un ni l'autre. Mais moi, ça me satisfait énormément. Du coup, je vais mettre un 9 ici. Ok. Et là, je vais mettre un 2, hein, désolé, mais les oignons, c'est. Wow. Arrête, tu vas me faire perdre sur ta blague! Arrête! Non, je vais mettre 4. Ok, ça va. Et là, combien? Là, 9, hein. Ça peut paraître dur, mais vraiment, les oignons, je ne peux pas. Genre, c'est horrible. 9 les deux. Ouais, je vais mettre 8 et je vais mettre 7 pour celui-là parce que du coup, je trouve qu'avec les oignons, ça passe un peu mieux. Ouais, ça rajoute un truc. Donc, salade, pas imposée, il n'y avait aucun aliment d'imposé, on faisait ce qu'on voulait avec ce qu'on avait. Mais attends, je ne comprends pas, pourquoi y a-t-il une orange comme ça? Y aurait-il quelque chose à faire dans ce plat? Une sauce aux agrumes, peut-être. Une sauce qui serait à l'intérieur du citron. Arrête. Est-ce qu'il aurait fait ça? Oh, c'est incroyable. Il s'est fait chier un quart d'heure pour faire ça. Mais on la met, non? Oh là là, c'est magnifique. Mais pourquoi y a des tartines de pain de mie coupées comme ça? Est-ce que ça serait pas une muraille de Chine? Non. Une maison sur le thème de Minecraft. Parce que je sais que vous adorez Minecraft. En plus, tout est bien coupé. Ce serait pas un Enderman au bout de la... Non. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez imaginé un nom à chaque plat? Moi, c'était Au revoir Paris, mon premier. Comment s'appelle celui-là? Le Nectar. Personnellement, le premier, c'était La vie est belle, parce que la vie est toujours belle quand on mange des avocats de toast. Oui, c'est vrai. Et le deuxième, c'est Lancôme, parce que ça m'a fait penser à une pub de parfum, La vie est belle. Du coup, j'ai été inspirée. Tu vas me détester, Alaya. C'est pas grave. Je crois que je préfère celui-là. Il est plus joli, il fait plus pareil, il fait plus raffiné, il fait plus gastronomique, quoi. Moi, je mets 10 là. Oh, premier 10, let's go. Elle est vraiment jolie. Et je mets 7 là. Je vais dire un bon petit 9 ici. Et là, je suis désolé, hein, mais je vais mettre un 6 quoi. Hop, ça va, putain. Ok, ça va. Ouais, on n'est pas dur. Vous êtes gentil. Hein. Ouais. Ça, pour moi, c'est au moins un 9. Du coup, je vais dire 9,5. C'est un truc très crédible qui pourrait être dans un resto. Wesh. C'est ouf, en vrai. En vrai, peut-être pas étonné. Non, et ça, bon, bah moi, j'ai pas mon diplôme en BTP construction. Je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est 4. Ah. Je vous invite du coup à goûter et à nous donner après votre note. Elle va être meilleure la tienne, je suis dépité. Du coup, j'ai une question, faut manger avec le petit bout de pain ou... Non, je l'ai mis si jamais vous voulez pour vous accompagner parce que c'est un peu trop liquide ou quoi avec la sauce, vous pouvez. D'accord. Et si jamais, vous pouvez manger aussi. Moi, j'ai envie de goûter le truc là. Le panais. Je peux croquer dedans. Mais c'est fait pour ça. Je pense que c'est beaucoup trop dur. N'hésite pas. Waouh. Et dedans, t'as des fils et tout. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, mais tu t'as découvert au moins. Tu sais que tu n'aimes pas. Franchement, les deux sont bons. Juste là, le fait que tu veuilles nous empoisonner avec ton truc. Là, je comprends. Ouais. Mais je souligne. Moi, perso, je vais donner 7 ici parce que, bah, en vrai, la sauce, elle est quand même incroyable. Mais je pense qu'il y en avait trop pour moi. Prends la Et je vais mettre celle-ci à 9 parce que, franchement, je pense que le raisin, il a un peu. Moi, je vais faire l'inverse. 8 ici et 6 ici. Moi, je vais dire 8 ici car c'était vraiment très bon. Et encore une fois, je souligne le côté raisin, le côté sucré qui est vraiment cool. Merci. Ici, j'ai vraiment apprécié la sauce aux agrumes. Franchement, je vais mettre 7. Putain, c'est super.
très bien. Très joli, bien voilà. joué. Mais je vais quand même dire 6,5 parce que tu voulais nous empoisonner avec ton truc. Ah du coup, non, 6,5 en fait. Ok, et eh ben les amis, je vous propose maintenant de passer au dessert. On a autant... des mousses au chocolat. Autant moi, il y a de la recherche quand même. Moi, il y a une histoire. Ah oui, les intitulés. Oui, vas-y, vas-y. Porte de la chapelle un samedi matin. Oui. Moi, c'est juste un goûter d'enfant un samedi après-midi. Quoi. Oui. Pour moi, pour mon souvenir d'enfant, tu vois, c'est quand ma mère faisait le fondre du chocolat dans une casserole avec un tout petit peu de lait et qu'on trempait du pain de mie ou du churros à l'intérieur. Du coup, j'ai voulu recréer cet esprit-là pour rappeler les souvenirs d'enfant et que vous passiez un bon moment avec un petit peu de chocolat. Tu vas nous faire voyager. Voilà, exactement. Okay. Un petit voyage retour en enfance. C'est le nom du plat, voyage dans ton enfance. Ok, les gars, je vous laisse du coup donner une petite note au niveau du visuel. Ouais, moi, je mets 2 et je mets 8 là. Non, arrête, arrête, toi, tu mens. Putain, t'as eu sur son truc en enfance. La maman et tout, bah bien sûr. Oh là là. Ouais. Merci. Mettre 5 des 2, c'est pas votable. Désolé, hein, même s'il y a une belle histoire derrière. Mais ça. Pas 0, juste pas 0. Non, t'inquiète, je vais mettre 0,5. Comme ça, pour le beau geste. Il est même pas assez gentil pour me donner 1. C'est déjà 0,5, ça lui coûte beaucoup, genre. Et en vrai, je vais mettre. Allez, 6. Ouais non, mais vous êtes des détraqués mentaux. Mais elle a vraiment servi du vomi dans une assiette. Hein. Ouais, mais c'est quand même plus agréable à regarder ça que ça, je suis désolé. Ouais, je suis d'accord. Putain, je me fais chier avec vous. On vous laisse goûter. C'est de la pâte à gâteau en vrai. Ah, voilà. Mmh. Ah. Mais je pense qu'on peut juste la faire cuire. Mais c'est pas une mousse au chocolat. Je sais pas si c'est de la banane, mais c'est une petite. En vrai, c'est même. Ouais, c'est un petit bout de banane, ouais. C'est une banane, c'est très bon. J'en ai mis plein, j'ai mis plein de petits bouts de banane. Oh, c'est très bon. Alors, c'est un autre déchet, tu vas tomber sur du citron, mais. Ah putain. Non, c'est de banane. Non. Non, c'est pas quoi. Il y a de la peau. Oui, bah voilà. Et là, ah là, non mais j'ai mis plein de bananes dedans. Mais t'as laissé la peau de la banane? Non. Mais si, truc, c'est de la banane avec de la peau. Si si, ouais, j'ai un goût de banane. J'ai aucune envie de goûter ça. Bah non, c'est la poubelle le plat. Donc oui, t'as des peaux de banane, mais on est dans le vrai. T'as aimé l'histoire de sa maman, moi je te raconte Paris, bonhomme. Et bah les gars, est-ce qu'on peut avoir une note sur le goût, du coup, s'il vous plaît? Mais le goût de chocolat est mieux ici que ici. Genre ça, ouais, ça a plus le goût de chocolat. Moi je mets 8 et 2 là. 8 et 2 aussi. Ouais, je vais dire 8 et 2. Ok. Il me semble que du coup je gagne pas. Ok, t'es à 104. Vas-y, humilie-moi, vas-y. Je suis à 130. Je t'ai niqué. Oh, au début. Pardon, maman, les vulgarités. Au début, il arrive en disant ouais, je vais te déglinguer. Moi, je suis trop fort en cuisine. Toi, tu vas être trop nul. Mais et j'ai tout. Jamais dit ça. Je veux en replay. T'inventes tout de suite. Mais replay, j'ai dit ça en off avant qu'on tourne. Je suis uniquement là pour te démolir, Alaya. Eh ben, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Conclusion, je suis la meilleure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être venu goûter et d'avoir joué le jeu. C'était délicieux. Ouais, franchement, fallait avoir du courage pour goûter mon plat. Merci d'être venu, d'avoir cuisiné, de t'être challengé avec moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'en décembre, les vidéos, c'est tous les jours. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes celles d'avant que vous n'avez pas encore vues, à vous abonner, activer la cloche et mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Je suis fatiguée. C'est le dernier tournage. C'est le dernier tournage, les gars. Okay. Et nous, on vous fait plein de bisous.